Amis joueurs et amis joueuses, attention à vos plumes de derrière, le renard s'est introduit dans le poulailler et généralement ça donne des poules mouillées. Poules mouillées, c'est un jeu de David Parlette et qui arrive chez Piatnik. Et donc, duo de choc et de charme, il y a donc Valentine pour le charme et Julien pour le choc, on peut le dire comme ça? Merci, bonjour. Tu voulais faire le contraire peut-être Julien? Non, ça te va comme ça? Poule mouillée, on est dans la gamme. Alors j'étais surpris moi par le format, mais c'est un format quoi? C'est un format petit jeu. Format petit jeu. C'est le début de la gamme Piatnik, ouais. Donc, d'accord. Voilà, il y a comme Digit par exemple. Digit. Ok. Et voilà. Ici pour le jeu de David Parlette, illustré par un illustre inconnu. Eh bien, c'est de 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans et les parties dureront 15 minutes. Je vois qu'il y a principalement des cartes. Ouais. J'imagine que ça va bien avec le thème rapide. Je mets la boîte dans le devers de Tric-Tac, t'en as pas besoin? Non, c'est bon. On compte pas les cartes de hop là, salut la poule mouillée dans le poulailler, pardon. Et ensuite, ben voilà, ok, des règles. Juste ça, hein. Voilà, et puis des cartes. Ouais. T'as besoin des cartes pour expliquer, Julien? Ouais, on va les regarder un peu. Tu veux me dire un petit peu ce qu'il y a dans les cartes? Allez, ça roule. Dis-moi ce à quoi nous allons pouvoir nous attendre. Donc, il y a 60 cartes. Ok. Il y a des cartes avec des poules jaunes, avec les chiffres noirs. Oh, pardon, attends, bouge pas. Je mets en un petit peu plus près, histoire que les internotateurs et internotatrices profitent des galinacées. Voilà, merci. Donc, ça va de 11 à 2, je crois. Ah, non, à 0. De 11 à 0. Ouais. Donc, il y en a qui sont donc chiffres noirs, poules jaunes. Ouais. Et d'autres chiffres rouges et poules rouges. D'accord. Donc il y en a un peu moins. Je crois qu'il y a 28 noirs. Et... Forcément, il y a des cartes spéciales. Attends, bouge pas, je te les mets de côté. Oui, il y a un petit renard qui. Il y a deux jeux. Mettre en pagaille le poulailler. Ok. Non, non, tu les mélanges. Oui, ah oui, oui, t'as raison, je ne les mélange pas. Mais il y a bien deux jeux noirs et rouges. Ouais. Ok, mais il y a des cartes spéciales. Bon, ok, attends, bouge pas. Donc des poules et des renards. Normal. Ok. Ok. Celui-là a l'air plus mignon quand même. Celui-là a l'air un petit peu plus furu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut le goupil? Donc, on va se répartir les cartes. Donc, on mélange bien les cartes entre okay. nous. Ok. Ça va être un jeu de prise de risque, avec un peu de mémoire, un peu de tactique, plein de suspense, voilà. Tu veux qu'on mélange, tout ça? Ouais. On mélange, on se répartit les cartes entre nous. Ok. Ok. Donc, il y en a 60, donc c'est 20 chacun, mais on peut faire approximativement. On mélange tout? Ouais. Bon. Et le but du jeu, ça va être d'être le premier. D'accord, tu mélanges précisément, très bien. Ouais, je partage. Ouais, c'est parfait. C'est bon, hein? Vas-y, continue. Ouais. Le but du jeu, ça va être le premier à plus avoir de cartes. D'accord. Ok. Donc, on les répartit entre nous. Et puis, on fait une pile chacun. Qu'on garde face cachée, comme à la bataille. Ok. Jusque-là, ça me paraît relativement simple. Et chacun de tour, on va jouer une carte au milieu sur la même pile. Et le but du jeu, c'est de ne pas dépasser 21. Plus avoir de cartes. Plus avoir de cartes, mais si on dépasse 21, on doit ramasser les cartes. Donc, on a chacun notre pile. On la garde face cachée. Commune. On la garde face cachée ouais. devant soi. Et le but, c'est de plus en avoir. D'accord. De plus en avoir. Okay. On entame, on va faire une pile face visible au milieu. Okay. Le premier joueur de chaque tour okay, met 2 cartes pour commencer. Donc c'est toi qui commence. Donc, tu as remarqué que quand ça l'arrange, c'est lui qui commence. Si vous êtes des habitués des Piatnik TV, Trick Track ou des PMWD Trick Track TV. Il y a une coalition contre Julien. Non, pas du tout. C'est pas ça que j'allais dire. C'est que quand Julien commence et qu'il veut, c'est que c'est intéressant de commencer. Voilà, sinon, il dit à Valentine, honneur aux dames. On va être galant. Ouais, c'est ça. Donc, tu mets 2 sets. Donc, le premier qui entame un tour ouais. commence par mettre 2 cartes. Les suivants mettront 1 carte. Okay. Okay. On va sommer les cartes qui sont mises au fur et à mesure. Mm-hmm. Okay. Et il ne faut pas dépasser 21, comme disait Valentine. D'accord. Donc, là, j'ai mis 2 cartes. Et t'as 14. Ça fait 7 et 7, 14. Après, Valentine peut décider soit de jouer une carte en plus, ok, et donc elle sommera le chiffre qui est sur la carte, soit de faire poule mouillée, c'est-à-dire qu'elle a peur de dépasser 21. D'accord. Et dans ce cas-là, elle prend les cartes. Okay, donc, si elle fait poule mouillée, elle prend les cartes, elle les met sous sa pile. Ok. Elle réentame, donc elle met 2 cartes. Si jamais ce n'est pas le cas et qu'elle met une carte, ça passe. Tout va bien. Dans ce cas, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer et rebelote. Et si jamais elle dépasse 21, ouais. là, elle prend la pile qui est là, donc là, il y a 2 cartes pour l'instant, et c'est toi qui vas entamer. Ah, donc elle perd son entame. Elle perd l'entame. Ok. Et si elle fait exactement 21. Et là, c'est bon ça. D'accord. Dans ce cas-là, si elle fait exactement 21, toutes les cartes empilées vont de côté. D'accord, ne font plus partie du jeu. Elle commence par entamer par autant de cartes qu'elle veut. Oh la vache. Dernière chose. Redis, ça va de 0 à 11. À 11. Dernière chose, si on dépasse 21 ouais. avec une carte rouge, dans ce cas, on n'additionne pas la carte, mais on soustrait la valeur de la carte. Ok. Ok. Donc, voilà. Ok. Et il y a 28 cartes noires,
22 cartes rouges. Ok. Et des cartes renards qui viennent. Des cartes renards, une dizaine qui ont acheté la pagaille. Un score spécial. Tu es en train de me dire, Valentine, qu'en retournant là, c'est 14. Donc là, et 8. Bah oui, 22, 8, donc là, 22, c'est ballot. Donc et c'est moi qui entame. Voilà. Tu remets ça en dessous. Donc avec un peu de mémoire, tu sais que tu as 7 et 7 et 8 en dessous. Ouais. Exactement. Dans le sens inverse. Je te sens tout dépité, alors c'est juste le début. Regarde, j'entame à 4. Donc tu moi, j'entame à 2, c'est obligatoire, ouais. Hein, j'ai pas le choix. 8. 8. 7. Dernier truc, je peux pas faire poule mouillée si j'ai moins de 11. Ouais, c'est trop facile sinon. Un ouais. Détail. Donc là, ça fait 15 ans ça. Voilà, donc il faut apprendre à compter. Oh, pour 25, bim. Mais là, c'est une carte rouge. Ah oui, mais c'est une carte rouge. Ah merde. Donc 5. Ouais, mais. 15 moins 10, 5. Et là, maintenant, on considère que c'est 5 ? Ouais. Donc, j'ai rien à craindre. Non. T'as rien à craindre. 5 et 9, 14. Et 4, 18. 18. À toi. Alors là où c'est un peu sadique, c'est plus la pile est importante. 18 et 8. Ah non, mais c'est du rouge encore. Ah, voilà. Oh, purée, 10. Il n'y a pas un. De toute façon, c'est 11 maxi. Ouais. Ok, donc j'ai rien à craindre. Bah. C'est bon, là. 17. 17. Ouais. Là, par contre, toi, tu… Donc là, voilà. Où je fais poule mouillée. Mais dans ce cas, je prends toutes ces cartes-là. Et donc, je prends 6 cartes. Et poule mouillée, oui. Je ne fais pas poule mouillée. Je fais égal. Oh alors, égal, ça veut dire que cette carte-là vaut exactement la même que celle d'avant. Elle était rouge. Donc, elle vaut rouge. 18, 7. 18. Donc, moins 7. 7 11 à nouveau. OK. On est à 11. 11 et 8. 19. Donc, tu peux faire poule mouillée, là, si tu veux. Si tu fais poule mouillée, tu prends tout. Bah, mais c'est naze. Je vais pas prendre, bah, je vais pas prendre tout. Ouais. Surtout que 18. On a combien ? 18. 18. Non. 11, 19. 11 et 8, 19. 19. 20, 21. Si je sors un 2, c'est nickel. Ou une carte rouge. Ou une carte rouge. Ce ne sera pas le cas. Oh. Zéro. Moi zéro. Je suis le petit œuf. 12. Donc, puisque c'est un 7 rouge, on diminue. Celle-là vaut 0. Ça ramène la totale à 0. Donc là, c'est une très grosse pile. Hein. Ouais, donc on est à 0. Hmm. Bah écoute, allons-y. Eh ben, on est à 0 deux fois. 3. Ok. Purée, celui qui se prend poule mouillée, j'aime 8. Autant te dire qu'il a perdu. Hein. 8. Je continue. Handicap. 8. Ou 19. Donc je suis obligé de jouer. Mais non, mais non. Et donc là, je me refais un 11. Donc 11, pente et je n'étais pas obligé. J'aurais pu effectivement prendre t'aurais ça. T'aurais pu dire que poule mouillée, t'aurais au moins mis 2 parce que là, donc c'est. Donc là, je pars avec un petit handicap. Ouais, énorme. Énorme. Et donc, énorme. Et donc c'est Valentine qui entame. Ça commence par 20. 20. Donc là, poule mouillée ou pas poule mouillée ? Bah, poule mouillée. Ouais. Poule mouillée. Parce que là, du coup, j'en récupère 2 et je démarre avec 2 à moi. 6. 7. 10. 16. Ah il faut que je me refasse, hein, donc. Vas-y, j'ai joué un peu risqué. C'est bien. Ah, oh l'en vache, donc là, je suis obligé, j'ai joué une seconde carte. 20 et 20, 40, non. C'est un peu. Égal à 20. Donc ça reste à 20. Ah oui, ça reste. Ah oui, ça copie la carte qui dit que le paquet vaut 20. Donc ça vaut 20. Oui, d'accord. À toi maintenant. Bah, je vais pas avoir pas un 1. Bah oui, fait poule mouillée. Aucun risque. Oui, non, je vais quand même faire poule mouillée. Par contre, j'ai des cartes spéciales. J'aurais pu avoir une carte rouge quand même. Oh, non, heureusement. Purée, 11. 17. Ouais, donc du coup. Tu fais poule mouillée ? Ouais. Et là, si tu sors une rouge, t'es dégoûté. Ah non, 9, c'est bon. 20. Et en fait, il y a 20. Peut-être c'est du rouge. Peut-être. 21. Oh donc là, ces cartes-là sortent du jeu. Oh okay. Là, je commence autant que je veux. Mais tu es obligé 5, de le dire avant ou pas ? Non, non, au fur et à mesure. 9. 19, continue. Bah non. T'as une bonne lancée. 19. Il suffit d'une carte rouge. Ouais. Bon, j'essaie de faire comme toi, moi. D'accord ? Oh, chiotte. C'est deux fois la carte d'avant ? Ouais. Ouais, bon, d'accord. Je suis un peu beaucoup là. Ouais. Hein, je suis un peu beaucoup. Ok. Bon, bah. Vas-y. C'est deux fois la carte d'avant ou c'est deux fois la somme ? Deux fois la carte d'avant. Deux fois 10, 20 et des brouettes, laisse tomber. Ok, vas-y. Commence, entame à 2. 22. 7. 27. 17. Ah purée, c'est une carte rouge. 17. Allez, on n'a pas vu beaucoup de petites. Allez. Rouge. Ah, ça fait 9. C'est ça, hein? Ouais. 16. C'est deux fois la somme, pardon.
Oui, t'avais raison. Crois, deux fois la somme. 16. De toute façon, j'étais explosé, quoi qu'il en soit. Voilà. 17. Oh, purée. Allez, il y a une rouge. Allez, il y a une rouge. Il y a combien là? 17. 17. Oui. Oui, non. Alors, 12. Comment ça compte? Bah, 17 plus 5. Ah oui, parce 22, que ça me ferait dépasser, 5, donc c'est en moins. Ça fait 12. Ok, d'accord. Donc, 12 et 5, 17. On revient à 17. 19. 8, 19. Ah non, on va se mettre là. Hop. Je la veux pas. Allez, je la veux pas. 20-21. Ça, c'est du talent. Ça, c'est jouer la carte. C'est... Tout est dans le retournement de poignet. C'est nickel. C'est nickel. 3 et 3, 6. Hop, pardon, Fal. Et 2, 6, 7, 8. 8. Allez, vas-y, non, à toi. 15, là, c'est ça? 15, ouais. Allez, bon, je prends. Et 10. Et 10. J'ai 25, je prends. Je pense que c'est mort. Tu... Non, mais pas la même partie. Par contre, entre Valentine et moi, ça peut encore se jouer. Oh, zéro, purée. 11. Ah, donc là, tu vois, je faudrait que je me. Là, 20. Je sais ce que j'ai. 20. 20. Donc, je prends. Tu t'arrêtes? Ouais. Et donc, prends. Tu redémarres à 2. Parce que sinon. Ah, Valentine, elle peut gagner, là. 6 fois 2, 12. Il y a 12. Moi, j'ai des 7 et des 8, non? Ouais. 19. Purée, ça l'a fait gagner. Arrête-toi. Mais non. Mais après, dans ta âme, mais c'est bon, on sera bien. T'as peut-être un rouge. Ok, je prends. Je suis de poule mouillée. Bah, t'avais peut-être un rouge. Ah, poule mouillée. Bah, attends, je tente. Voilà. Oh, purée, zut. Mais c'est mieux, je pense. Et 20. Là, le paquet fait 20. Donc là, le truc, c'est que toi, t'as des 1 ou pas? Il faut que je m'arrête. Parce que si jamais je m'arrête pas et que je dépasse, elle gagne. Oui, t'as raison. Okay. Donc, je m'arrête. D'accord. Petite coalition. Tu rentres 9. 13. Attends, moi, j'ai 7 ou plus que ça. Oh, 21. Purée. Non, c'est ça? Non, 20. 20. J'ai gagné, c'est pas grave. Il n'avait pas l'air de. Allez, 20. C'est une 7 rouge, donc on est à 13. C'est pas mal ça, c'est la meilleure config. 17. C'est ta dernière, ça serait bête. Elle est rouge ou non? Je sais, ouais, je sais pas. Mais je pense que. Prends-la, prends le temps. Mais bien. Non, joue-la, allez. Oh la poule mouillée. Oh là là. Tu vois que c'était juste un 8 noir, pas grand-chose à craindre. 17. 17. C'est du rouge. Mais j'ai pas bien retenu. Moi non plus. Mais un petit problème, c'est qu'en fait, on joue les cartes, qu'on les met dessous et puis on les a oubliées. Alors qu'il faut se concentrer à ce moment-là. Yes! 17 moins 5, 12. 19. Oui, oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai plus que 6 cartes. Paf. Ça fait combien ça? 23. Ah oui, c'est dommage. C'est moi, Quentin? Donc là, elle essaye, mine de rien, elle essaie de se souvenir des cartes. Ouais. Mais regarde, 4, 14. C'est tout. 4. 4 à nouveau. 11. Bah oui. Ouch! 22. Oh punaise, quel truc de naze! Bon, c'est le total, hein. Oh punaise, j'y crois pas. Ok, bah vas-y, entame. 13. De toute façon, toi, tu peux pas gagner. 13 et 4. 17. Ah oui, on additionne, je croyais que ça restait. On additionne. Ouais. Tant que ça te fait pas dépasser. La carte précédente. Tant que ça te fait pas dépasser. 13. Ah bah c'est bon. Non, 13, 17 et 6, boum. Mais non. Là, ça... Ah oui, mais il n'a pas dépassé. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu viens d'expliquer. Vas-y, entame. Purée, si jamais tu nous rattrapes, on est mal. 19. Tiens, vas-y, prends. 19 fois 2, 38. Eh, faut peut-être arrêter là. J'étais bien. 8. J'étais bien. J'étais donc la première n'a aucune valeur. Du coup. Ouais. 16. 16. Vous êtes super pénible. Oh, mais allez, arrêtez quoi. 7. 16. Re. Je m'en fous. 16. 20. 20. Vas-y, joue là-dessus. Poule mouillée, va. Je fais la poule mouillée. Voilà, elle a plus de 3 cartes. Elle a plus de 3 cartes. Je joue pour toi. Non, tu parles. Je joue pour toi, elle a plus de 3 cartes. Ta chance. 0. Oh, elle peut en jouer qu'une, de toute façon. 5. 15.
18. Ça fait mal, hein. Pauvre Valentine. Pauvre. Je ne sais plus en plus du tout ce que j'ai. Petit poussin. Oh, punaise. 11. T'es stressante, c'est pas vrai. Tiens. 21. Non. Ah, si, tu peux faire 21. Ah bah oui, ça fait 21 même d'ailleurs. Ah bah j'en mets ce que je veux alors. Alors, je te conseille. Ça dégage. De bien réfléchir maintenant, tu vois, parce que Valentine n'a plus qu'une carte. Ah ouais. Ouais. C'est pas grave. Donc je te conseille de t'arrêter juste avant pour que je puisse mettre une carte, tu vois, et que Valentine trébuche. 7 fois 2, 14. Tu me laisse-moi un petit peu de marge. Mais non. Comme ça je joue. Et là on se rapproche de 20. Si je me plante, elle gagne. T'as raison. Mais de toute façon, il y a quand même vas-y, vas-y. 14 et 5, 19. Là c'est parfait. C'est exactement la même chose. Ah, vos têtes. J'aimerais vous prendre un photo. Et bon. Donc là, elle essaie de se souvenir de ses cartes. C'est ça. Mais elle les a retournées, ça y est. Elle les a retournées, ça y est. Elle les a retournées. C'est moi qui commence. 9. 4. 13. Ah. Malo. Ça fait mal, ça. 13 et 11. Pense, c'est toi qui récupères. Et c'est Valentine qui redémarre. 7. Ah, c'est elle qui me balance le 14 dans la tête, mais ça peut passer, regarde. Ça, c'est la même carte que celle-là. Ouais. 14 x 2, ça fait un peu beaucoup. Plus que ma paire, ouais. Non, mais c'est du rouge. Ouais, oui, ouais, mais pas grave. Punaise. Ok. 0. Eh ben, super. Et je crois qu'elle a une carte rouge pour finir. Non. 11. 11. 17. 21. Oui. Oh là là. Et elle finit, sérieux. Sérieux. Eh bien, écoutez, voilà un petit jeu simple de prise de risque. Ça s'appelle Poule mouillée. C'est de David Parlette, l'auteur du Lièvre et la Tortue, rethématisé dernièrement chez Purple Brain, le tour du monde en 80 jours. C'est chez Piatnik. Poule mouillée, hein, bien sûr. Poule mouillée chez Piatnik. Ça se joue comme ça avec des petites cartes juste pour savoir qui est-ce qui prendra l'avantage dans le poulailler. Ça arrive quand, c'est déjà là? Ça arrive en mai 2017. Mai 2017, et comme on est dans la gamme petit jeu, ça coûte 10 euros. 10 euros. 10 euros pour un petit jeu de prise de risque. J'allais dire de stop ou encore non, c'est quand même plus de la prise de risque, puisque tu ne peux pas décider de t'arrêter, tu peux juste décider de dire poule mouillée ou pas. Merci beaucoup, Julien. Sympa. Celle-là était pour toi, Valentine. Bravo, Valentine. Trop mignon, petit poussin. Si vous aussi, vous voulez jouer à poule mouillée, bah, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est dans toutes les bonnes boutiques à partir de mai 2017. Et nous, on se retrouve avec d'autres renards et d'autres gallinacés. Mais ça, c'est une autre histoire.